How dare you, Cookie Dragon? How are you? Ça va, Layoni? Ça va, Sheena? Bonjour, bonjour. Faites pas gaffe, je suis en train de boire un peu de thé. Là. Yeah, I saw this morning I have checked your last streaming and I hear that you are in midterm before the spring break. So good luck. Super buzzy. Ok. Alors, bon. Hello everybody. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bon. Secret of Mana. Le remake. C'est parti. On va voir ça aujourd'hui. So, today I will try this remake of this unbelievable game, Secret of Mana. Secret of Mana, c'est un RPG qui a marqué l'histoire du RPG, notamment pour sa partie scénario, qui est une pure tuerie. Alors, j'ai lu des critiques, pas génial sur le jeu, en tout cas sur son remake. Beaucoup d'attentes autour du jeu et de sa refonte, mais ça reste quand même un jeu extrêmement important, et je pense que c'est intéressant de donner un petit coup de test au jeu. Alors voilà, on est parti pour un petit let's play Secret of Mana et on verra bien comment ça se passe. J'ai lancé la partie tout à l'heure pour voir un petit peu le niveau. C'est pas mal, c'est mignon. Je suis vraiment arrivé au tout début, hein. J'ai mis quelques minutes seulement. J'ai regardé un petit peu l'intro, mais c'est très beau. Et un spécial GG à Square Enix qui a repris l'ancien... screensaver avec les ibis rouges volants, donc ça a l'air cool. Mal car tu stream. Shinanit, si tu sors. Allez, va voir Super Dimi ou un des obscurs live que tu follow. Let me alone, Shinanit. Ok, let's go. Alors, salut Cookie Dragon. Hello Cookie Dragon. Really happy you are here. Donc, Cookie Dragon, c'est un mec avec qui je travaille. Si, je stream ce soir, t'inquiète. Mais je fais un stream jeu cet après-midi parce que j'ai bien bossé ce matin. Et j'en avais marre. Alors, je me suis dit, allez, let's go pour le game. Donc, Cookie Dragon, c'est un développeur avec lequel je travaille. J'ai l'habitude de travailler. Donc, n'hésitez pas. Alors, il est anglais, il est américain. Mais n'hésitez pas à le follow, don't hesitate to follow him, to see the development of the office game. Ça me fera bien plaisir et je pense que ça lui fera bien plaisir également. Voilà, si vous êtes intéressé par le développement d'un RPG, d'un MMORPG sur Unity, n'hésitez pas à le follow. Alors, je vais couper la musique. Boum. La BO sur YouTube. Ok. Je suis un petit peu stressé. Parce qu'on va voir, en fait, il y a plusieurs trucs. Bon, on va voir déjà la refonte graphique du jeu qui a une identité visuelle qui est quand même très top. Donc on va voir en fait comment ils ont adapté ça, notamment avec la 3D. Et on va regarder un petit peu comment ils ont retravaillé le système de jeu. Ou en tout cas, comment ils ont adapté un système de jeu sur un très vieux jeu à une version moderne, en espérant que ça a de la gueule. Et si ça a pas de la gueule, c'est pas grave, on continuera juste pour l'histoire, pour voir un petit peu, parce qu'il y a plein de morceaux de l'histoire dont je me souviens plus. Et donc on va regarder ça ensemble. J'espère que ça sera cool. Bon, sinon j'espère que vous allez bien, Layoni, Sheena. Alors, boum.
Donc c'était ça, Shina, le... les petits coups de mort. Ok. New game. Alors vous voyez, j'avais vraiment playtime 0. Enfin, 1 minute 44. C'est juste pour... game, ouais. Alors on va mettre en japonais. Et avec sous-titres en français, parce que comme ça on va en profiter pour entendre les voix japonaises, voir un petit peu ce qui est dit in the game. Ouais. Et je joue toujours avec la PlayStation, la manette de la Free, qui est là pour le coup tout à fait adaptée. J'ai absolument pas de problème avec, avec ça pour jouer sur le jeu Steam. Donc on va laisser le nom du personnage principal, ou alors vous voulez que je le change, vous me dites. Ouais, j'ai eu mon premier cours de 3D hier, c'était cool. Ah ouais. Tu t'es déjà souvenu de quelque chose, toi? On va laisser Randy, mais par contre, on pourra peut-être changer les noms, s'amuser. Mais en tout cas, pour le moment, je laisse Randy, de façon à pas... Ouais, ou alors on laissera le nom des personnages tels qu'ils ont été définis dans le jeu à la base. De façon à garder un petit peu l'essence du jeu et respecter cette œuvre magistrale qu'est Secret of Mana. Attention, let's go. Vous me dites si vous entendez bien. Yo Ellie. Harukana Mukashi. マナの力によって進化した文明が地上に栄えている。おららさ、バグ、バグ。やがて人々はメアトゥザラフサブゲパ。マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかし、あまりに強大なその力は神々の怒りに触れ J'espère que vous arrivez à lire entre deux. En espérant que ça bug pas trop. ああ。要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み、地上からはマナが失われていた。その時、聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ。 人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、世界は戻った。時は流れ、歴史は繰り返す。繰り返す。 Et l'histoire se répète. Alors, on va voir si le jeu tourne ou pas. Auquel cas, c'est la merde. On va regarder dans les options si on peut régler. Mais normalement, je l'ai mis vraiment en mode tout petit. On va voir.待って、くれよ。ダンディーのグズ。親坊やしてたら見つかって、村長にまた怒られるぞ。村長来てじゃ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 。村
I kill you. Pas moyen de remonter. Comment vais-je faire? Ok. Oulala. Ok, alors attends, on va voir. Comment je peux faire? Là. Alors là pour le moment on se balade. Je vais essayer d'activer juste la molette. Là, on peut pas y accéder pour le moment dans les options. On va pas passer. Par ici. Et là. Randy. 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 Hop. On est bloqué par les petites feuilles. Allez, Randy. Le village est par là, il faut que je trouve de quoi me frayer un chemin. Il est tellement mal au petit que... Il est tellement mal au petit si tu le tournes en l'eau. Je sais pas, on va voir. J'attends d'accéder parce que là, pour le moment, je peux pas accéder à la molette. Il y a une molette d'option et on peut pas y accéder. On va voir. Randio. Randio. Ça. Ça. Ken. Prends l'épée. Nukunoda. Nukunoda. Dare. Qui est là? Nanda, kono ken wa? Qu'est-ce que cette épée fait là? Hey! Mabushi! Obake! Un fantôme! Randio. Ken. Prends l'épée. Tanundaso. Tanundaso. Je te la confie. Nanda. Quoi? Oh, Kenga. L'épée? Que là? Mais que là? Nani? La lumière disparaît. Bon, il faut que je rentre au village. Prends l'épée. Non. Plus de jeu. Enfin, merci. Et là, t'as le fantôme. Ok. Ah. Ah, voilà. Option. Option, Nicolasson. Ah putain, et pourtant je l'affiche en petit. Hein. Alors attends. Comment je peux faire Et si ils sont là, tu vois, mais regarde. Là, je suis déjà en 600 machin. Là, ça va un petit peu mieux. D'accord. Pépélé.
Il y a même pas pour régler les graphismes, what the fuck. Non mais laquelle? Ah non, ils sont comme ça. Hein. C'est le graphisme du remake. C'est une des critiques qui avait été faite par rapport au jeu, enfin par rapport à ce remake là, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. En fait t'as des fakes, des ombres fakes, les nuages sont fakes, etc. Mais... Alors là y'a rien. Avec cette épée je vais pouvoir me frayer un chemin. D'accord. Oula, il y a des lapins ici. Je vais devoir être prudent. Ah merde. Ah ouais, d'accord. En fait, donc il y a une barre de rechargement. Donc là, vous la voyez juste en dessous. J'ai 50 PV. Et... en gros, en fait, si on prend du temps de pause entre les coups, l'attaque est plus rapide, est plus forte. Si on attaque plus rapidement, ça baisse, en fait, le pourcentage d'attaque de l'épée. Attends, je vais juste bouger ça là, parce que sinon je ne vois pas. Ils sont trop mignons, ouais, grave. Ta gueule la pince. Ouais, y a rien. Donc quand on passe derrière les arbres, il y a une sorte de tracé blanc, une silhouette. En fait, il y a vraiment un ombrage que sur le personnage ici. Pour les arbres, etc. Il n'y a pas d'ombrage. C'est du fake. En fait, c'est déjà peint. Et là, les nuages qu'on a du dessus, c'est pas de l'ombrage qui est projeté. C'est juste une texture qui passe sur le sol. Ah, ou bien que... Ah, un coffre. Par contre, ça, j'aime bien l'animation pour l'ouverture du coffre. On dirait la petite dans Gruul avec les mignons, quand elle a sa peluche licorne. Ça par contre c'est chiant, on peut pas couper les fleurs. On peut couper les herbes mais pas les fleurs. Et pour le moment il n'y a rien dans les herbes. J'espérais quand même avoir quelques petits trucs mais... Là on a un bonbon. Ah, ok. Une sorte de... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est moi qui... Voilà. Ah putain. Mais... Viens ici, ça la pinche. Tiens, dans ta gueule, la pinch. Merde. D'accord. Quand le lapin explose, il se transforme en petite bulle d'eau. Quelqu'un a un bon jeu à me posséder, il faut que je me concentre des foules sur quelque chose. Bah, après, je sais pas, moi, ça dépend. Hein. Sur quelle plateforme, si tu lâches chez toi... Parce que là, tout de suite, je ne pourrais pas te dire. Hop. 4 pièces d'or. Ah, c'est le début de la fortune. Donc les textures sont pattes à la main. Vous le voyez là, tout à fait bien sur le sol, et sur les personnages de tout à l'heure. Ok. Oh putain! Bande de chaco! Merde, je suis reparti de l'autre côté, mon coffre!
Randy, mon épée a gagné un niveau. Niveau 1. Attaquer, c'est le même truc. Wow. 4 pièces d'or. Bon. Yo. Un bonbon. J'ai 8 pièces d'or et 2 bonbons. Bizarre. Oh. Alors, on va regarder si on a des options, quelque chose. Alors, comportement des équipiers, on en a pas. Niveau d'armes. Ensuite, on a quoi? Comportement des équipiers. Niveau de magie, j'en ai pas encore. Encyclopédie, on s'en fout. Résumé de l'histoire, on s'en fout. État. Je suis niveau 2. D'accord. Choisis la cible à attaquer. D'accord, il y a pas. Donc là, pour le moment, j'ai pas de compétences à payer. Équipement. Non, je veux pas l'acheter. Combinaison en cuir. Okay. Là, j'ai rien. Et sur ma tête, j'ai rien. Ben, quoi. Bon. Bon, on va continuer comme ça. Hop, hop, hop. Ah. Oh, de petit bâtard. Ah, putain, ouais, mais tu vois, c'est ça. Si tu rates ton coup avec le timing, t'es dans la merde. Putain, pourquoi t'attaques pas? Ok. Bon, ok, ça va, il se recharge pas. Ok. Plusieurs types d'attaques. Oh putain. En fait, ce qui est chiant... Enfin, ce qui est chiant, bon, enfin, c'est pas chiant, mais il faut le prendre en considération. C'est que si t'attaques... Tu peux pas... te diriger au dernier moment. Donc il faut que tu sois bien dans la bonne position pour pouvoir attaquer. Sinon, t'es dans la merde. GG, level up Cookie Dragon. Level 5. Oh, on a une gratte. Oui. Ah. Yo, Merble86. Bienvenue à toi. Ah, mamie. Oh, Oh, c'est toi, Randy. Tout à l'heure, j'avais une grande lumière dans le ciel du côté de la cascade. Touchons du bois. Ah, ça a l'air d'être une auberge. C'est Shinanesi qui tient l'auberge. Alors, je veux pas rester dormir. Ici. Donc on a mis niveau 2. Attention, sauvegarder automatiquement. Bon, on va sur la porte. Il dose derrière le comptoir, what the fuck. Oh, des petits lits.
Bah, tout ça, alors bientôt occlusion, tout ça, ça a été fait déjà d'avance. Bah, bientôt occlusion, c'est... Bah, vous voyez la partie... Enfin, on pense que c'est de l'ombre, mais c'est pas une ombre. La partie qu'il y a entre le lit et le sol, il y a une sorte d'ombre, là, là je marche un peu dessus, comme ça. Alors bientôt occlusion, c'est ce qui donne un peu de profondeur à l'image. Là, vous l'avez aussi, ici, sur les tonneaux. De quoi, moi? C'est toi qui faisais ça. Derrière le... Ah, ok, il y a rien. Oh, un pommier! 村長様が探してたわよ. また何か悪さでもしたの? Le chef du village te cherche. Tu as encore fait une bêtise, pas vrai? Non. Qu'est-ce que ça peut être avec un pot? Ah, il est là aussi, c'est son frère jumeau. Ah, c'est toi, Randy. Le chef du village t'appelle. Faisons vite alors. Alors, que souhaitons-nous acheter? Alors, combinaison de cuir. Un bandana. Putain, c'est cher. Une coupe céleste, ça je peux pas, j'ai passé. Un légume antidote. Voilà. Des bonbons, j'en ai deux, ça j'en ai pas besoin. Et là, de toute façon, j'ai pas. Okay. Au revoir. Donc, normalement, si je mange un bonbon. Comment on fait? Comportement. Comment je fais pour manger un bonbon? Ils sont où les bonbons? Non. Non. Quand on aura du sou, faudra. Option. Option. Encyclopédie. Menu des équipiers, attaque, course. B, c'est la course, d'accord. A, attaque. X, menu. Y, menu des équipiers. Et comment mange son bonbon? Je sais pas. I don't know how to eat a candy to give me some ears. Voilà dans la maison d'Esmeralda la gitane. Elle peut, c'est vrai qu'elle pète le doublage, il pète quand même. Voyons Randy, ne joue pas avec cette épée ou tu vas blesser quelqu'un. Je vais le dire au chef du village. Quelle cafteuse. Vas-y, paf, tiens bitch. Ça prendra un cafeté. Dépôt, pas rien faire. Oh, un petit garçon chat. Il y a un homme bizarre au bar. Je l'avais jamais vu par ici. Son regard fait froid dans le dos. Juste baisser. Je vais baisser un peu la musique de mon côté. Elle me casse un tout petit chouïa à la tête, je vais la baisser également de votre côté. Voilà. Parce que sinon, vous allez avoir les oreilles qui couinent. Cet homme a l'air d'un chevalier d'une lointaine contrée. Que vient-il faire dans un petit village comme le nôtre? That's a good question. Ouh là là! On dirait... Dragon Ball Z sur son petit nuage. What a bug, ta-da-da. What a big bug. Ouais. On entend le son? Ouais. Ouais.
Patin roulette. Patin roulette. Voyageur. Quoi, voyageur? Il m'a pas répondu. Il ne me parle pas. Bitch. Te voilà, Randy. Bob et Ness sont revenus tout pâle tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose. Alors, attends, on va faire son, volume de la musique. Voilà, on va 20. Volume des voix. On va laisser comme ça. Ça, on va la mettre à 20. Et comme ça, je peux augmenter chez vous. Comme ça, vous entendez quand même un peu mieux les voix. Voilà. Et moi, ici, le son. Voilà. Ok, B. Ah oui, non. Ok, donc les deux gamins sont revenus au village. Donc vous avez compris, si vous parlez à la femme verte. Là, la musique est trop forte maintenant. C'est bizarre. Attends. Là, ça va là? Ah non, j'ai rien dit. Ok, donc là-bas, c'est bon. Là, on a fait. On n'a pas fait cette maison-là, je crois. Il existait. Ah, si, on l'a fait. C'est Esmeralda la Gitane. Ritano. Et bien sûr, n'oubliez pas, nous sommes également sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à saluer nos amis YouTube. Oh, tu es sain et sauf Randy. Bob et Ness m'ont raconté ce qui s'est passé. On a cru que tu étais mort, espèce d'idiot. Je t'avais bien dit de pas emmener ce boulet avec nous. Bacamono. Inconscient! Vous saviez très bien qu'il était formellement interdit de pénétrer dans la forêt. Randy. Tiens, mais. Randy, qu'est-ce que tu tiens là? C'est. Non, c'est pas possible! Oh, tu as trouvé le trésor! Bien joué! Qu'as-tu fait? Tu as pris l'épée sacrée? Je croyais pourtant que c'était impossible! Wow, l'épée sacrée, j'en ai entendu parler, on dit que le village serait perdu. Si quelqu'un l'enlève de son rouge. Et voilà, j'ai foutu la merde. Et c'est précisément ce qu'a fait Randy. Il est carrément en train de me montrer du doigt. Malheur sur nous. D'après la légende, l'épée sacrée protège notre village. Du moins, tant qu'elle reste sur son socle. Yo, Arustek, comment ça va? T'as vu ce que tu as fait, crétin? C'est à cause de toi que les monstres nous attaquent. Yo, moi, shame. Shame. Ça va, les copains? T'es même pas des nôtres. Oula, ça y est, racisme primaire dans le village, ça commence, ça y est. T'es même pas des nôtres et t'as mis le village en danger en prenant cette épée. Tu vas nous le payer, prends ça. Oh putain, il me tape. Et arrête! Tais-toi, tout est de ta faute! Reste là! Mais arrête! Oh, un tremblement de terre, merde! Ah! On est tombé dans un trou! Ouais, Secret of Mana! Un monstre, Randy, t'as une épée, fais quelque chose. Oi, Ikoeru ka?
Hey, tu m'entends, mon garçon? Reste calme et observe les mouvements de ton adversaire. Puis guette le bon moment et frappe. D'accord. Missile de diamant. Ah ouais, d'accord, je croyais que c'était moi qui avais lancé ça. D'accord. Attention, le petit gros il fait dodo. Bouge. Ah, m'a acidifié. Hop. La grosse fourmi. Ah putain, bitch. Ah putain. Je l'ai eu, mais je perds connaissance parce que un troop bakemolo. Je l'ai pas fait à l'époque ce jeu. Alors moi je l'avais fait, mais je me souviens plus vraiment. Oh franchement. Je me souviens. Ce que je me souviens vraiment dans ce jeu-là, c'est que, en fait, la map était relativement ouverte. Ah. La map était relativement ouverte. Et en fait, le problème, c'est que tu pouvais monter et arriver sur des boss, des monstres en tout cas, pour lesquels tu n'avais absolument pas le niveau. Bien joué, attends, je vais vous remonter. Ah, je sais pas d'où le truc vert il est arrivé. Bon, d'abord, j'y suis pour rien, moi. Oh. Cet homme a des yeux profonds. Brave lorsqu'un danger menace notre monde. Ou alors en l'occurrence, ouais, ça ressemble vachement à Zelda, l'adaptation. Mais tu es bien trop jeune, il a dû arriver quelque chose à l'époque. Je vous la donne alors. Non. Dans son état actuel, l'épée a perdu toute sa puissance. Il est impératif de la restaurer. Et seul celui qui l'a retiré peut le faire. Non mais grave, je veux ses yeux. Bon, la prêtresse Rusalka, au temple de l'eau. Elle veille sur cette terre depuis plus de 200 ans. Elle saura sûrement te donner quelques avis éclairés. Quelques avis éclairés sans. Pas au pluriel. Il est temps pour moi de reprendre la route. À propos, mon nom est Gemma. Retrouvons-nous au temple de l'eau. Putain. Quelle belle tonsure. Non mais il a un regard. Toi tu sais, t'as pas envie d'aller au temple de l'eau, mais le mec il te regarde comme ça. Et là t'es comme ça. Ok, kawaii. Bon, donc moi j'ai récupéré mes points de vie, tant mieux. Mais je ne sais toujours pas comment manger et des bonbons. Et des... Comment ça s'appelle? Et des bonbons. Et, ou des produits pour éviter de machin quoi. Fais pas ce regard les deux, c'est bizarre. Il faut faire quelque chose. Oui, nous ne sommes plus en sécurité. D'autres monstres pourraient nous attaquer à tout moment. Oh, oh. Randy. Ce que tu as fait est grave. Cette épée protégeait notre village. Ouais bon ça vole, vieux. Putain, elle est en train de faire du Randy Shaming dans le village, salopard. C'est probablement parce que tu l'as retiré que des monstres ont fait leur apparition. C'est certain, l'épée les attire ici. Tant que Randy sera au village, les monstres continueront de proliférer. Putain, même la vieux qui veut nous. Comment ils m'ont rejeté? Tu t'es dégoûté. Je regrette, mais je n'ai pas le choix. Je vais devoir te demander de quitter le village, Randy. Tu es le maillon faible. Au revoir. Ils sont horribles.
もちててけ、ててけ、ててけ、ててけ。地下に宝箱がある。それで装備を揃えていくと良いだろう。Le japonais c'est beau quand même par rapport au écran. Puis, je... enfin, en même temps, après on est un peu habitué, mais ça marche bien dans les jeux vidéo, je trouve. Une façon de poser les trucs. Tu peux prendre le contenu du coffre qui se trouve au sous-sol. Ça devrait t'aider à te préparer dans ton voyage. Bah merci quand même, connard. J'ai le droit quand même à un petit sandwich. TTK ! Non ! Je descends la cave. Je critique pas ton interprétation, Ludo, hein. What ? Ah, une naine. Oh, tu t'en vas, on me dit ? Ah putain. Oh, 50 pièces d'or. Vas-y, là, moi, je veux cette armure en fer. Vas-y, donnez-moi l'armure. GG les level up. Cookie Dragon. Level 6. Il y a Roustek aussi, level 6. On a été grave rejeté par tous les bâtards du village. Parce qu'en plus, je ne suis qu'une pièce rapportée. Ma mère était une catin qui m'a abandonné sur les routes. Et le vieux du village a bien voulu me récupérer pour me faire travailler comme une... comme un moins que rien. Mais, comme j'ai tiré l'épée, j'ai foutu la merde dans le village. Et dorénavant, je suis banni. On va aller voir là quand même s'il y a quelqu'un. Je serais triste de ne plus te voir, mais on n'a pas le choix. Tout ça est de ta faute, après tout. Quelle bande de bitch. Ah, bon, alors là, c'est carrément... on est carrément rejeté du village, même du serveur du McDonald's. Ouais. Il l'engueule mais il danse dans les grains. Ah, par contre, pour rester dormir et payer 5 balles, là on n'est pas rejeté. Et bah t'auras pas 5 balles, crève bitch. Là non, ça l'argent ils le prennent hein, dans ce village. Ça doit être Macron-ton. Le village de Macron. Where is Brigitte? Elle doit être là-dedans, Brigitte. Voilà. Ah, tout le monde me dit la même chose. Putain. Quelle bande de drama queen, quoi. Ouais, vas-y, une vieille éperrouillée. Tant que tu resteras ici, le malheur s'abattra sur notre village. Pars, je t'en prie. À cause de toi, nous avons perdu notre enfant. Le chien a perdu ses dents, il ne peut plus manger. Bon, bah, j'ai plus qu'à partir. Et je sais toujours pas comment manger des bonbons. Ouais. Je me casse. Par ordre du chef du village, tu es banni de Poto. Pars et ne reviens jamais. C'était vraiment pas le village des Poto. C'est le village des Conardos. Bah t'as pas un inventaire, mais je le trouve pas. J'ai regardé toutes les commandes, je l'ai pas trouvé encore. Alors peut-être ça va être maintenant. Ah, oh, vas-y, lapin pourri. Tiens, bam. Le lapin, il est vraiment pourri. Alors, voyage canon. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ?
Il y a deux flèches, mais il n'y a qu'une seule direction. Voyage calme. Ah oui, 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 je me souviens. Maintenant, regarde. Alors, tu vois, j'ai tout ça. Hein. Mais... Non. Menu. Bah non, équipement non plus, gars. Ah merde, j'ai été con, j'ai oublié d'acheter Bandana. Attends, je reviens là-dedans. Vas-y, ouvre-moi, bitch. Non, il va pas vouloir que je repasse, putain. J'ai oublié mon bandana, d'acheter le bandana. Putain. Ouais, c'est bizarre, hein, ouais. Ah, il y a peut-être été repris, j'en sais rien. Non, je peux pas y accéder encore pour le moment au menu, j'ai l'impression. Forum, tu dois appuyer sur la touche Y de la manette, ensuite tu appuies sur la touche bas ou haut jusqu'à ce que tu sois à l'inventaire. Ah. GG la Yoni. GG la Yoni. Vas-y, on mange un bonbon. D'accord. Yes. Ah, sans merde, j'ai cramé un bonbon pour rien. Bon, alors, si je vais par là, c'est les voyages en canot. D'accord. Ok. Ça fait quand même toujours du level up. GG Alpha Omega, level 41, comment ça va? Ah, ces planches. Regardez ces planches. Bonjour, bienvenue chez les frères Canon, connus pour leur réseau mondial de transport aérien. Ah. Tu vas au temple de l'eau, pas vrai? Jima t'a précédé. Ok, il a payé et je peux monter dans le truc. Va vers l'ouest. Là c'est l'est, va vers l'ouest. Donc soit je prends le canon... Ah putain, vas-y là. Sale lapin de merde. Tiens, bon. Ouais. Ah, au terrier, te relever. Ah. Un bonbon. Hop, 100 points de vie, très bien. Ah putain. Je me dis, elle est bizarre cette fleur. Alors, temple de l'eau vers le haut. Temple de Poto, village de Poto à droite. Royaume de Pandora vers la gauche. D'accord. Alors, go vers le haut. Ah, un champistère. Donc,
Donc là, tout de suite, on a changé genre de carré de map, on a changé deux fois. Et les monstres sont déjà niveau double. Attention au gobelin. Where is the gobelin? Bam. Ouais, c'était un champister. Oh! Level 3 pour Andy. Tu ne me sauves pas comme ça, petit pierre lapin. J'aurais pas confiance de marcher sur une... Alors, voyons voir. Ah, la boutique de Niccolo est à gauche. Let's go pour la boutique de Niccolo. Ah, Niccolo a une très belle boutique perdue en plein milieu des champs. Je me demande ce que sa cave peut renfermer. Oh, un chaton avec un sac. Trop mignon. Nikita mon misé, yoko son nango. Mou katteru kanya. Oh putain, ça j'adore. J'adore quand les japonais font une voix de chat. Kanya, kanya. Alors, bienvenue chez Piccolo Dimoge. Ta bourre était plutôt bien pleine. Nous marquez bof. Asso, jama dakara. J'ai du travail, alors sois gentil, laisse-moi mieux. Mais si c'est une boutique, il y a plein de bouteilles d'alcool. Oui. Vraiment. Kanya. Faire des achats. Alors, ok. Alors, le bandana, c'est pas... Alors, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre colonne ? Du chocolat pour 60 PO. Un bonbon, c'est 20 PO. Gelée royale, 200 PO. Putain. Noix magique, 1000 PO. Une coupe céleste, 300. Putain, ça a augmenté les prix, là, d'un coup. Tonneau. Je sais pas ce que c'est. On va déjà s'acheter ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ça, ça sert à rien parce que c'est pour les copies qui pied, on l'a pas. Voilà. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on voit pas si les équipements ils level up en termes de niveau. Je me souviens plus si dans le jeu on peut crafter les trucs. Là, j'ai passé. Ah putain, c'est pas en vendant les trucs que j'ai trouvé que je vais me faire de la thune. Hein. Un bonbon trouvé, c'est 6. Tu l'achètes 60, il rachète 6. Alors, tête. Voilà. Et le mec, il m'a vendu une bûche avec des lacets en cuir et il les a vendu 150 PO. Si par exemple on fait ça, on voit pas. En fait, on voit pas. Il n'y a pas sur les stats là qu'il y a à gauche. Défense, esquive, magique, machin. Et ben ça indique pas en fait si ça nous permet de passer à combien ça nous donne. Ça c'est bien chiant quand même. La dure loi de l'offre et de la demande. Ouais. Putain de capitalisme. Bye, ciao Cookie. Thank you for. For coming and say hello. Ok, bon. Alors, allez, c'est parti pour le temple de l'homme. Je vous rappelle un petit peu la séquence d'intro, là, parce que tout à l'heure, ça buguait. Vous avez peut-être pas vu un peu l'histoire, mais...
Il dit que à un moment, il y a une technologie qui a été inventée qui utilisait le mana. Et cette technologie a permis de créer une sorte de cité volante géante. Et donc c'était une arme de guerre. Et pour détruire cette arme de guerre, quelqu'un a fait appel aux bénévodons, qui sont en gros des invocations des monstres. Mais les bénévodons ont perdu, et grâce à une épée magique, un mec a réussi à détruire la cité Manor. En fait, c'est l'épée qu'on vient de trouver, c'est la fameuse épée, sauf qu'elle est devenue toute rouillée pour le moment. Donc on est parti pour restaurer la magie contenue dans l'épée. Oh. Mais non, putain, je veux pas changer de map là, wesh. Non, ça nous fait faire du... Là, franchement, les maps, elles sont serrées. Hein. Je suis encore en plein milieu de l'écran, tu sais. Comme par hasard... Là... Bah ouais, bah ça, c'est... Ça, c'est courant. Hein. Putain, ce lapin, il est incroyable. Oh, putain, je l'avais oublié, celle-là. Tiens, toi. Là, on est clairement dans une relecture du mythe arthurien. T'sais. Le petit gars improbable qui récupère l'épée. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Ouh là 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 là. Ils vont nous envoyer faire notre service militaire. Temple de l'eau, en haut. Warewarewa, Pandora Ogokno, Majo Tobat Saida. Warewarewa, Yoma no Morino. Nous sommes l'expédition chargée d'éliminer la sorcière. Son château se trouve au fond de la forêt. Warewarewa, Pandora. D'accord. Kono Saki no Warp de Yoma no Morini Chikamichi de Kiruga, Gake ni Natteiru. Ce téléporteur là-bas est un raccourci pour aller au château de la sorcière, mais il faut un fouet. Pour passer de l'autre côté du ravin, d'accord. Notre capitaine Durak est très sérieux malgré son âge. Il a accepté son sourcil. Ok. Elle est où la forêt? Elle est où la sorcière? Temple de l'eau en face, d'accord. Si je vais par là, je vais quand même aller voir. Oh. Là, y'a rien. Y'a pas un petit coffre. What the fuck, le jeu? De quoi, la Yoni? Qu'est-ce qu'il a? Aha! Voilà, c'est à partir de ce genre de truc que je crois que ça score, c'est tumeur. En fait, c'est en termes de level. Voilà. Et si moi je me souviens. Ouf. D'accord, voilà, c'est ça. Donc moi, si je me souviens bien, en gros, donc j'étais passé de l'autre côté, machin, puis en gros, il faut un fouet pour faire, je sais plus quoi, pour passer au-dessus du ravin qu'on vient de voir. Mais comme tu l'as vu, je me suis pris 16 points de dégâts avec une flèche et un petit renard d'eau. Donc en gros, t'as des zones qui sont pas pour le moment accessibles. J'ai vraiment l'impression que les maps ressemblent beaucoup à l'ancien jeu. S'il y a quelqu'un qui a refait récemment l'ancien jeu ou qui s'en souvient bien, est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Je rentre pas dans le temple tout de suite, hein, je fais un peu le tour pour voir. Parce que alors là, si pour peu que dans 2 secondes, il va y avoir un bateau volant, des pirates et qui vont m'emmener sur un autre territoire, on sera pas revenu là avant un bout de temps. Bon, là, il n'y a rien. Mais... J'ai vraiment l'impression que les maps se ressemblent vraiment. Enfin, peut-être un rocher par-ci par-là, mais sinon, t'as l'impression que... Randy, je t'attendais, allons-y, Randy. Les coupes vertes.
Bon, franchement, pour le moment, on a traité le jeu, machin, mais bon, moi, je trouve plutôt agréable, hein. Non, vous en pensez quoi? C'est pas FF15, quoi, en termes d'aspect visuel, mais ça passe, un petit côté rétro un peu sympa. Oh! D'accord, donc là, on peut pas y aller. Ah, je pensais que ça allait être une zone boss, mais non. Oui, Rusalka. Bizarre, il n'y a aucune vieille dame ici. Demandons à cette fille. Et toi, tu sais où je peux trouver la princesse Rusalka? Voyons, Rami. Un peu de respect. Rusalka, je suis heureux de vous revoir. Sois la bienvenue. Quoi, c'est elle, la prêtresse âgée de 200 ans? Je trouve pas la direction artistique folle. Bon, c'est celle de base, hein. Après, c'est surtout du texturing, et puis... Bon, après, c'est des textures peintes à la main, hein. Je trouve qu'on a beau, dire, faut quand même le temps de le faire, parce que... Les triple A qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de textures qui sont générées avec d'autres méthodes qui facilitent grandement le travail. Là, ça reste quand même des textures peintes à la main. Donc, c'est plutôt propre, quoi. Pour pas que ça lag. Non, mais tu sais, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est surtout... Je pense que c'est surtout mon PC, la Yoni. Ah, je fouille, j'en profite avant de lui parler. J'ai tellement l'habitude avec les RPG que tu rates quelque chose et puis tu peux plus y retourner et puis c'est fini, t'es foutu. C'est juste mon PC, tu sais. J'ai pas une carte graphique qui est faite pour les jeux vidéo. C'est une carte graphique vraiment solide, mais elle est assez vieille et elle supporte rien. Ok, il y a que dalle. Alors. Alors, c'est toi qui as retiré l'épée sacrée. Intéressant. C'est d'ailleurs pour ça, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire des dons sur la chaîne. Parce que ça doit me permettre d'acheter une 1050 Ti qui améliorera quand même grandement les choses. Donc, si vous avez envie de soutenir, vous pouvez. Ok, d'accord. Et donc quoi? Je suis inquiet, Rusalka. Des monstres attaquent le village des environs. Ce garçon vient d'en être témoin. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je le sais. Les courants m'apportent les nouvelles du monde entier. Le pouvoir de Mana s'affaiblit. C'est sans doute pour cela que ce garçon a pu retirer l'épée sacrée. L'équilibre de Mana s'en est trouvé troublé et les monstres ont commencé à s'agiter. Sache qu'il existe en ce monde des créatures maléfiques dont la seule présence scelle une partie de la puissance de l'épée de Mana. Casse-toi. Les vaincre permettrait à l'épée de recouvrir petit à petit son énergie et de redevenir la lame de la légende. La fourmi mante que tu as vaincue était l'un de ces monstres. Ton épée a dû gagner en énergie quand tu l'as tuée. Tu retrouveras sûrement d'autres moyens de restaurer le pouvoir de ton épée. Et yo, Salt 21, bienvenue à toi. Gemma, tu dois surveiller de près les agissements de l'Empire. On commence à nommer le méchant.
et convoite la forteresse de Mana. Forteresse de Mana, celle qui détruit le monde dans les contes de fées. Ce ne sont pas des contes de fées. La forteresse a réellement existé et l'Empire cherche à s'en emparer. L'Empire tente de briser les sceaux des graines de Mana. Cela ne fait aucun doute. Il y a d'ores et déjà des intrus qui rôdent autour de ce temple pour le surveiller. Des événements étranges ont lieu à Pandora dernièrement. Un rapport avec l'Empire ? Je l'ignore. Gemma va voir le roi et met-le en garde contre l'Empire. Il ne faut surtout pas qu'il mette la main sur les graines de Mana. Les graines de Mana, c'est ce que vous avez là en haut de l'écran, le truc qui tourne. Bon, je pars sans plus tarder. Radi. Tu vas te diriger vers une grotte qu'on appelle le nombril de Gaïa. Là-bas se trouve Shelena, un habile forgeron. Tu vas lui demander de réparer ton épée. Au fil de l'évolution de l'épée, tu devras apprendre de nouvelles techniques. Entraîne-toi, Assidion. Hey. Ah, il m'a laissé avec la vieille, qui ressemble à un enfant. Cette épée est la véritable épée de Mana, mais elle a perdu son éclat, sa puissance, ses tailles. L'épée sacrée a utilisé ce qui lui restait d'énergie pour te choisir et t'appeler. Pourquoi moi ? J'essaie d'apprendre à parler japonais. Ton destin est désormais de la restaurer. On fait la diva queen ou pas? Alors soit on accepte sans ronchonner, soit on dit non. Non. Jadis, un terrible conflit déchira les dieux. Ils avaient à leur disposition un vaisseau d'une puissance incommensurable, la forteresse de Mana. Dans les légendes de son village, mais tout ceci a réellement eu lieu. D'accord. C'est l'épée de Mana qui a réussi à sauver le monde. Mais il s'en est fallu de peu. Les survivants reconstruisirent tout sous l'égide bienveillante du pouvoir de Mana. Oui. D'accord. Si l'Empire réussit à réactiver la forteresse, le pouvoir de Mana sera tout jamais perdu. Hey. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois devenir un héros digne de l'épée pour cette mission acceptable. Il te faudra acquérir force et courage. Ça, on l'a déjà au fond du cœur. Bon, d'accord. Randy porte l'épée à la graine de Mana sur l'autel. Que se passe-t-il ? Transformation. La boule volante a clignoté. Mais qu'est-ce que... Ton épée s'est alignée sur la puissance de la graine de Mana et résonne désormais à l'unisson avec elle. Où que tu sois, l'épée recevra désormais le pouvoir de la graine de Mana. Il existe 7 autres temples comme celui-ci dans le monde. Trouve-les et reçoit la force de leur graine. Ok. Prends cette lance bénie par l'eau sacrée. D'accord. Peux-tu aussi sauvegarder, bien sûr. Commence par te rendre au nombril de Gaïa, dont parlait Gemma. Le temple souterrain se trouve là-bas. D'accord. Traverse le royaume de Pandora au sud. Alors, bon. Donc là, on a été, il n'y a rien. Je pensais qu'il y aurait un petit coffre et tout. Non, il n'y a que dalle. Elle m'a rien laissé, Kelly. Là, j'ai lu. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai fermé. J'ai fermé tous les trucs, elle ne peut plus sortir. Ça leur prendra. Garce.
Hop, 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 hop. On va voir ce que ça donne cette nouvelle arge. Ouais. Se charge pas. D'accord. Alors, épée rouillée de 20 à 20. Lance 20 à 21. D'accord. Bah non. Alors. J'aurais préféré augmenter le niveau de l'épée que la lance, mais bon, pourquoi pas. J'ai l'impression que l'attaque de zone est plus importante que l'épée. On va voir. Faut trouver un lapinou. Allez, go. Lapin. Ah ouais, là on était un truc... temple de l'eau. Voilà, bon, ça sert à rien, on peut pas y aller. Nous n'avons pas de fouet. Oh. Ça va, ouais. Donc l'attaque de zone est ouais. Ah ok, ça permet d'attaquer plus loin. Ça va, elle a un bon petit level. Alors, bienvenue à la boutique de Niccolo à gauche, on s'en fout, nous on va par là. Oh non, des gobelins! Ah putain, ils m'ont assommé. Voilà. On est dans la merde, ça y est. Oh, c'est un beau pot! C'est bouillant. Ne bouge pas, reste là-dedans. Tu as de la chance. T'es le plat principal de notre grande fête. Laissez-moi sortir. Ils sont mignons aussi, ouais, grave. Tu as l'air délicieux. Ah, la danse a commencé, il faut qu'on y aille. Regardez, il y a une meuf qui fait des pas chassés derrière. C'est que cette animation. C'est un lémurien, wesh. Qu'est-ce que tu fais là, idiot? Allez! Chut, pas si fort! Allez, on file! Là, ça y est, alors on marche normalement. Ah, en fait, elle essayait de s'approcher avec discrétion. Comme un lémurien. Bac. Merci. Mais que faisais-tu ici? Je cherche quelqu'un. Quand j'ai vu qu'ils avaient un prisonnier, j'ai cru que c'était lui. Et je me suis trompé. Si j'avais su, je ne me serais pas bougé. Ça pas. Non, je plaisante. Bon, je suis passé, je file. Tu ferais mieux de rentrer en ville, toi aussi. Hey, attends. Super. Elle est même partie sans dire son nom. Tiens toi, c'est un pendant. Allez, je voulais pécho et je tape la plante par frustration. Comportement tout à fait violent d'un jeune homme. Vas-y, casse-toi lapin. Putain, il évite bien ce lapin. Thank you.
Pas les fleurs, bah si. Il me faut du level up, hein, sinon je vais devoir tout le top à la fin. Merde. Alors, voyons voir. Non, j'ai attention au gobelin. Ah, le champistère. Oh, le champistère, il enlève son petit chapeau. Trop mignon. Hop. Champistère en coffre. Voilà. Ah, je vais donner un coup au coffre. Ça lui en prendra aussi. Tiens, ça, le coffre. Tiens, ça. Ça tabasse. Ok. Ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais faire les armes level par level. Village de poteau, royaume de Pandora. Donc ça en va. Alors attends, on va regarder. Sympa. Ah ok, si je mets en arrière, en fait j'évite les coups. En fait c'est chiant parce qu'on sait pas quand est-ce qu'elle évolue là. Dans le menu peut-être. Alors, épée rouguier, niveau 1, 0%. Ah, donc elle a pas évolué. Ok. On va rester là-dessus parce qu'elle va level up. Oh, un nouveau ennemi en bas. Bon. Alors. Comment ça tu veux me croquer? Hey. Putain, j'ai un tout d'esquive qui est quand même assez impressionnant. On n'en peut rien faire. GG level up pour Aru. Ah, niveau d'armes plus 1. Ok. Tac. S'il y a rien d'autre. Tac. Allez, hop. Là, c'est quoi ça? Ah, c'est un passeur. Oulalalalala. Taco. Je voulais lui parler, mais il va pas répondre. À mon avis, il a dû me dire. Il me dit rien. Il me dit juste. On peut pas la couper avec les autres armes. C'est un choix. C'est un choix. Hop. Ah putain. Hop. Genre le mec qui fait des petites attaques stylées. À 9 points de dégâts. Tiens.
Dans ton cul, champignon. Allez, hop. Alors, village de Potos. Ah bon, on nous indique encore le village de Potos. On est... C'est genre, on est à Marseille, là, wesh. On est plus à Paris. Ah, nous voilà arrivés à Pandora. J'arrive, je vais cramer un petit elfe. A tout de suite. Où est-ce qu'il est? Ah, ici. Allez hop, go, c'est reparti. Yo, Alki. Ouais, français, anglais. French or English. As you want. How are you? Alors, Alki est sur YouTube. Oui, des viewers sur YouTube également. Alors, voyons voir. Bienvenue au royaume de Pandora. Sir Gemma m'a demandé de te laisser passer. Sir Gemma, il vient de Tasmanica, semble-t-il. Il doit être en visite au château. En fait, tu ferais mieux d'éviter de parler aux gens de la ville si tu ne veux pas perdre ton temps. Tu comprendras vite pourquoi. Ah, moi, on me dit de faire un truc qu'il ne faut pas faire, j'ai envie de le faire. Alors, on a la petite map en haut, il y a 5 maisons ici. Allez, go. Et yo, Kadim 3320. Bienvenue à toi, welcome Kadim.
Ah, un client. Bon, pour ce que j'ai à vendre. Alors, ça on a déjà. Touche pas aux donettes. Pourquoi touche pas aux donettes? What? What does that mean? A votre avis, ça sert à quoi ça? Pourquoi il n'y a pas d'information? Bon, j'en ai acheté une, hein, on verra bien. Bon, ça j'en ai. Ça j'en ai deux. Merci, au revoir. Alors, bon. Donc la première, on l'a vu. La deuxième. Ma femme est devenue bizarre, ne dit plus un mot. D'accord. Elle fait une dépression, grand-père. Faut lui faire sa fête, à mémé. Ah! Une petite fille avec des cheveux bleus. Les gens se rassemblent aux ruines au sud de la ville. Il se passe de drôles de choses ces temps-ci. Ma grand-mère était bizarre. Elle qui est si énergique d'habitude. Nous allons devoir aller fouiller les ruines. Putain, il n'y a même pas de loot, il n'y a rien. Il n'y a pas un petit coffre. GG pour le follow, Kadim. Bienvenue à toi. N'hésite pas à venir faire un petit coucou hein, dans le chat. Alors, welcome. Alors, go, ici, c'est pour faire dodo, on s'en fout. Monsieur et mademoiselle sont au château. Ah, apparemment, on présente aujourd'hui un prétendant à mademoiselle. Salut, Kadim. Bienvenue chez Lud Open Soul Atelier. Stream créatif et gaming de temps en temps. Et aujourd'hui, on a lancé. Je voulais voir un petit peu le remake de Secret of Mana, voir un peu ce que ça allait donner. Et sinon, je fais des streams créatifs, dont ce soir à 21h30, où on va faire du dessin, qui tourne toujours un peu autour des jeux vidéo, chara design, etc. On verra ce qu'on fera. Je suis en train d'y réfléchir. Je vous fais des bisous, les gens. Parce que j'ai envie de vous faire des bisous. Ok, vous posez pas de questions. D'accord. Ah bah finalement, t'es resté. Je croyais que tu t'étais sauvé. Je ne sais rien. Laissez-moi tranquille. Ah. Où est-ce qu'elle est l'entrée de la cave? Je suis sûr il y a des enfants fermés dans sa cave à suivre. Dis-nous sur les gosses, pervers. Coucou et bisous, Elisa. Je ne suis jamais parti, je suis calme aujourd'hui, c'est tout. Ah, bah, je sais pas, tout à l'heure tu disais avec le lag et tout, tu voulais partir. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Et les hommes, fait la snobinarde aujourd'hui. Ah, la coupe. Ah, elle ne parle pas non plus. Il y a vraiment une drôle d'ambiance dans ce village, tout le monde fait la guerre. Bon, là, je sors du village, je ne veux pas sortir du village maintenant. Donc, il me reste 7 maisons.
Oh, cette petite a des jolis crans dans les cheveux. Ah putain, elle tue une aise, quoi. Arrête de chouiner pas. Ah, un petit avec. Papa to mama to say da yo. Qu'est-ce qu'ils ont? D'accord. Tout le monde est très triste dans ce village. On dirait Valenciennes. Je dis ça parce que j'habite à Valenciennes. C'est vrai que c'est pas la fluidité. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, vous pouvez, si vous voulez, vous abonner et faire des dons pour m'aider à acheter une nouvelle carte graphique, une 1050 Ti. Ça l'a moins qu'avant quand même, ouais, bah ouais. Alors. Vas-y, faites pas les radars, wesh. Mais il m'écoute pas. Bah, je suis obligé d'expliquer pourquoi. Donc bon. Ah! Ah! Une divinité ancienne. J'ai eu l'impression d'avoir zappé sur lui. Donner plus vite, ouais, mais c'est carrément ça. Ils ont eu un travail, mon poulette. Mais non, mais rien que le fait que tu sois là, c'est cool. Non, mais je vous embête. Ah, cet homme ne parle pas. Cette femme aux cheveux verts ne parlait pas. Alors là, attention, on est rentré au temple des... C'est des sectes. Des satanistes. C'est tout. Alors là, ici, on est chez les viewers de Cora Live. C'est la maison de Cora. Et on a tous les viewers gothiques. Personne ne parle. J'ai vu que les demandes commençaient à réduire sur la GPU, alors vite à 1080 au bon moment. Ouais, bah en fait le problème c'est pas ça avec 1080, c'est qu'il faut que je change aussi mon... comment ça s'appelle. Déjà je crois pas qu'elle 1080 elle puisse se mettre sur ma carte mère, moi j'ai besoin d'une carte low profile et je pourrais prendre au-dessus de la 1050, mais il faudrait que je change aussi le générateur. Donc, on va y aller avec parcimonie. Parce que ça sert à rien de viser 1080 si déjà vous ne faites pas assez de dons pour que je puisse acheter 1050. Les gros chacals. Change tout le PC. Non, bah ouais, carrément. Bah ouais, mais c'est ça. Mais sauf que voilà quoi. Des viewers Dark et Vénère, non mais grave. Bon, je sais pas, où est-ce qu'on était là? C'était quoi ce village? Cette ville tout pourrie. On a raté un truc, non? Ils ont dû... dans les ruines au sud. J'ai oublié de faire quelque chose. Parlez-moi! Je suis comme invisible. J'ai dû rater une personne. D'accord. Je vous dis que c'est une secte. C'est comme dans The Leftovers. Ils fument des clopes et ils parlent pas. On peut pas passer. Barrez-vous, vous. Bande de bâtards. Je te fais un matos de luxe. Bah vas-y, mets-les les 1300 balles. N'hésite pas, Elyséum. Merci, GG Elyséum, pour les dons 1300 euros hors GPU et hors stockage. J'ai été là ou pas?
tu payes, bah ouais, bah c'est ça. C'est vous qui voulez des streams de très grande qualité. Je te le fais même le montage gratuit. Vous êtes là, résolution, toujours plus, résolution. Nanana. Salag. Titi, tatata. Et ben voilà. Bon, alors. Donc moi je viens de là-haut. Il reste petit là, lui je parle pas, d'accord. Donc on va prendre à gauche, on va aller voir ce qu'il y a à gauche. Parce que de toute façon. Donne moi ta tablette. Ting. Level up. Arrête de rager un peu, c'est moi qui devrais être okay. Bon, alors là j'ai raté mon coup, mais en direct. Ah, une guêpe. Bon, là, ta gueule. Là. Tiens, bam. Ah putain, mais je voulais que tu tapes en rond. Là. Putain, elle ne meurt jamais. Ah, ça y est. Hop. Ah, ça y est. Un lapin. Oh, dis, franchement, j'étais dessus, là, hein, t'exagères. T'exagères, Roddy. Non, comment il s'appelle, déjà? Allez, bam. Bon. Hop. Tac. Là, ça guêpe. Allez, Randy, ouais merci. Vas-y Kevin. Boom. Boom. Voilà. Putain, même pas un coffre ou quoi. 200 guêpes volantes et même pas un petit coffre. Non, on peut pas, il y a des rochers. Ta la 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 la. Une fleur. Tiens, dans ta gueule. Tiens, encore une fois dans ta gueule. Elle fait dodo. On va s'approcher tout doucement et la voir par derrière. Bam. Elle était comme ça. Et là, elle s'en est pris bien dans la gueule, elle aussi. Report x9. Là sur Pister, tu te calmes. Mais. Oh, oh vas-y, hein, t'es pas sérieux là. Allez. C'est bizarre là. Plus compliqué à tuer hein. Là je sais même pas du tout où je suis parti. On est parti dans la forêt.
critique, c'est bon. Alors, je sais même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Où est-ce qu'on est parti? Calme-toi, lapin. Ah! Un bonbon! Cool! Ce gosse doit avoir des caries de fou. J'ai été rejeté par mon village et je mange des bonbons. Tu n'as pas une vie extrêmement équilibrée. Ah putain! Allez, là tu vas faire une roulade. Allez, lève-toi. Allez, tiens. Il jette des gaz par le trou dans sa tête. Bâtard, tiens. Ça, c'est cool. Il peut pas me buter. Mais moi, je peux lui mettre des coups. GG, level 9 pour Haru. Un steak de Haru. Ça doit être bon. Ah, encore un champignon. Hop. Boum. Voilà. Hey yo, Bazooka84 et White Storm Fenris. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou dans le chat. Don't hesitate to say hello in the chat if you speak English. Nous sommes sur Secret of Mana, le remake. C'est vraiment le tout début. Boum, tiens. Ah, comment tu veux m'attaquer par derrière, bitch? Tiens. Yo, honnêtement, je suis pas fan de la nouvelle mouture. Bon, ça va. Ça aurait pu être ça. Ça ressemble vraiment énormément à l'ancien jeu. Après, il y a une dimension 3D, mais... Pour le moment, on peut pas dire qu'on est... extrêmement... Parce qu'il y a exactement les mêmes difficultés à donner des coups à ces putains de lapins à la con. Je veux dire, on reste quand même... Ah, putain. On reste quand même un peu dans le... Qu'est-ce qu'il y a? Koreski. On reste quand même un petit peu dans le même... Y a aucun ajout, hein. Là, enfin, moi, de ce que j'ai vu là pour le moment, il n'y a rien de nouveau. Alors, nombril de Gaïa. Bon, ça, c'est good. Village de Kippo. On a déjà été au village de Kippo. Le nombril de Gaïa, c'est en haut. On va aller au nombril... on va aller au village de Kippo, d'abord. On va aller voir. Je ne parle que des nouveaux graphiques et de la bande, nouvelle bande son. Ouais. Bon, la bande son, ça va encore. Les nouveaux graphiques. Voilà. Vous êtes au village de Kippo. D'accord. Après, c'est une adaptation 3D. Hein, donc, moi, je trouve que ça passe après. Enfin, les gens avaient quand même des grosses attentes par rapport au remake. Mais moi, je trouve que ça passe bien. Le jeu n'est pas trop prétentieux, donc il peut tourner sur mobile après. Hein. Voici la maison, ma femme est à l'étage. Ok, d'accord. Pourquoi on lui demande d'aller voir sa femme? Mon mari a tellement de frères que moi-même je ne sais plus qui est qui parfois. Ah ouais, c'est une drôle de famille ça. Une drôle de famille. Moi je vous le dis. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'est la famille à planche. Et sinon, ouais, j'ai entendu que beaucoup de gens étaient un peu... voilà. T'es un petit peu déçu, finalement, de ce remake, mais... Bon, c'est le problème quand on en attend beaucoup. Papa, non, mais tu vas faire un tour au magasin de mon papa, Indy. Et après, effectivement, c'est sûrement lié au fait que j'ai été fan du jeu à l'époque. J'avais peut-être des attentes particulières, ouais. Alors après, par contre... Après, c'est vrai que l'époque faisant,
En fait, il y a un manque, mais le manque, il est pas. Je pense pas qu'il. Parce que, je veux dire, visuellement, tout est propre. Hein. Les textures sont propres, les modèles sont propres. Bon, il y a quelques bugs d'animation. Mais on reste vraiment sur le système de jeu de base. Il n'y a pas trop de bugs. Ça va quoi. Mais c'est vrai que si on reprend le jeu à l'époque quand on y jouait, il y avait une sorte d'ambiance. C'était assez. On était vite projeté. En fait, c'est peut-être ce qui manque dans le jeu là, en l'occurrence, j'imagine pour les nouveaux joueurs. En fait, il est quand même, malgré tout, assez rétro. Donc nous, on aime bien le jeu. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime bien. Parce qu'il y a justement ce côté rétro. Mais les nouveaux joueurs qui connaissaient pas l'ancien jeu, bon, ils doivent se faire peut-être un peu chier. Quoi. Ça aurait peut-être mérité un travail un peu plus en profondeur dans la structure même du gameplay, j'en sais rien. Mais alors, qu'est-ce qu'on a là? Des coudières. Bon, on va les acheter. On verra bien. Kipayo, cotte de maïs, on va acheter. Le reste en déjà. Je suis sûr qu'il est ultra agréable pour des nouveaux joueurs. Ah ouais, moi je sais pas. Si je compare à des jeux, tu vois, comme Rime par exemple, etc. En fait, il y a un travail de projection, de mise en ambiance qui est peut-être pas le plus efficace, j'en sais rien. On s'en a déjà. Plus 1. Ah bah si j'ai menti tout à l'heure. Plus 7 la cote de maille. Ah j'ai bien fait d'y aller. Ouais, je sais pas. Parce que c'était vachement. Quand le jeu est sorti la première fois, c'était quand même vachement exotique. Là, y a peut-être un petit manque quoi. Le menu est sûrement le plus gros rebutoir pour les nouveaux joueurs, ça casse un peu le rythme. La ville de Gaïa, dans laquelle vivent des nains. Nous aimons les nains, nous irons leur rendre visite. Mon fils Durak a tant de travail qu'il n'a jamais le temps de venir nous voir, alors que Pandora est si près. Durak, ça dit quelque chose. Il paraît que le royaume voisin a des problèmes, mais ici, nous vivons paisiblement. Durak de Pandora. Et là, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de quêtes annexes ou quoi que ce soit. Ça manque aussi, alors ouais, je sais pas. Le système de jeu, ouais, peut-être un peu vieilli. Parce que bon, maintenant, moi, j'aime bien aller chercher des trucs... Là par exemple, tu vois, si je vais dans les caisses, etc., il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc je ne sais pas. C'est bizarre. C'est un remake en 3D, mais tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas trop cherché. Ah, de toute façon, c'est d'ailleurs pour ça qu'entre l'annonce du jeu, l'annonce du remake et la sortie. Ils ont pas pris de risque, ils se sont dit, bon, elle tient la route, allez, go. On la balance, et puis voilà, quoi. Là, par contre, j'ai vu... c'est le remake de FF7, qui vient d'être reculé 2 ans, je crois. Donc, reculé 2 ans. Et il passe... il rajoute une centaine de personnes à l'équipe de production. Qui en fait quand même une grosse équipe parce qu'elle va monter à 250 a priori. Et donc non pas d'après... Enfin, après ça c'est toujours la même chose. Hein. Les producteurs de Square Enix disent toujours un peu ce qu'ils veulent. En fait, ils disent pas qu'ils ont un problème d'adaptation. En l'occurrence, c'est qu'ils voudraient aller plus loin niveau machin. Il sera même pas sur PC, FF7. Bon, ils font une adaptation après. Mais c'est sûr qu'ils vont le faire sur PC. Ils vont attendre de voir un peu le truc, quoi. Le pass-finding sur l'ancienne n'était pas top dans mon expérience, je ne sais pas si l'on retravaillait. Bah non, écoute, franchement, là, pour le moment, après, c'est ce que je demandais, je me souviens plus. Alors moi, j'ai pas joué depuis un peu de temps. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur les mêmes maps. Vraiment. C'est quoi que j'entends là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe?
Ah putain, eh, les abeilles elles me détectent déjà de là. C'est bizarre ça. Aussi c'est un bug. Regardez, les abeilles qu'il y a là en bas, elles me détectent déjà. Alors que je suis très très loin en termes de map. Donc ça c'est un petit bug des familles. Ou alors c'est une intention des développeurs, mais l'intention n'est pas très claire. Voilà. Lorsqu'on a les trois personnages, bah, je sais pas là, je sais pas, aucune idée. Je ne pourrais pas te dire là pour le moment, j'en ai qu'un. On verra après. Là, ça vient. C'est vraiment le tout premier let's play. Ok, alors ça. Allez, passer niveau 5. Non, c'est moi qui ai passé niveau 5. Mais mon level il augmente pas là, niveau 1, 0%. Niveau 1, 0%. Comment ça se fait? Normalement, je croyais qu'à force de l'utiliser, elle les augmentait. Ah, ou alors c'est en impliquant des sphères, d'accord. Je sais pas. I don't know. Voilà. Et là, vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir les mêmes. Je me souviens quand même encore un peu du jeu. Et je me demande même si je l'avais pas téléchargé sur portable, l'ancien. À un moment donné, il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, quand il avait été porté sur portable. Et c'est vraiment exactement les mêmes maps. Hein. Franchement. Bon, après, si. D'un point de vue purement technique, hein, sur, en termes de game design, là, il y a quand même des erreurs qui sont. Un petit peu du foutage de gueule. Donc là, en fait, en gros. Alors, je sais pas si vous voyez ma souris. Attendez, je vais vous montrer. Capture le curseur. Okay. Est-ce que là vous la voyez? Voilà. Si vous regardez ici, vous avez une structure 3D. Donc à 6 côtés. Donc là on est vraiment sur un mesh, un objet en 3D. Alors en fait vous êtes sur un plan. Et il y a absolument. Donc ça veut dire que les mecs n'ont même pas travaillé. Donc en gros, ça c'est une map qui est réutilisée dans le jeu, comme ça sans plus. Et là, en fait, ils ont même pas travaillé la liaison entre les deux. Donc ça a été quand même un remake qui a été fait un petit peu vite, rapidement. Quoi. Ils n'ont pas cherché à essayer d'uniformiser le truc, de faire les choses proprement. Ils auraient pu faire des effets d'eau un peu plus poussés. Mais bon, c'est comme ça. Et déjà faire des jeux de ce... Déjà nous avoir proposé un remake de Secret of Mana, c'est déjà bien. Au moins, je veux dire, c'est un jeu qui se perd pas, quoi. Le jeu est ressorti, on peut se réapproprier un petit peu son scénario. La map en haut à droite est exactement la map de Super NES. Ouais, ouais, bah, c'est ça en fait. Bah, c'est vrai qu'en te lisant, c'est vrai que je viens d'y repenser. C'est la map de console. De l'ancien jeu. Ah, donc tu vois, on est vraiment sur... Enfin, c'est copié-collé, quoi. Il n'y a rien, ils n'auraient pas... Ils n'ont pas changé de truc. Alors, la forêt hantée, le nombril de Gaïa. D'accord. Là, à mon avis, si je vais là, je vais me faire défoncer. On peut essayer, hein, mais... Comme d'hab. GG les level up pour Bazooka et White. Oh! Ah. Bien. Et ce grand-père ne se fait pas attaquer. Ah, il était bien camouflé, ça. Je me suis fait avoir. Donc là, pour le moment, en objectif alternatif, on a... Dans cette direction se trouve la forêt hantée où vit la sorcière. L'endroit est et infesté de monstres. Une jeune fille s'y est aventurée seule, la malheureuse. Donc je sais pas si c'est la même sorcière que celle où on avait une équipe là, de soldats qui a été... On va essayer de la chercher.
いらっしゃいだす。どこ行く？どこでも。OK. Donc ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Je sais pas du tout si c'est la même forêt de sorcière. Je parie que c'est la blanc noir, mais grave. Bah après, ouais, le scénario, il y a pas... Et vu l'âge du jeu, quand c'est sorti, enfin, c'était top, quoi. Aujourd'hui, il y a énormément de développeurs qui s'en sont inspirés, donc... ces mécaniques de scénarisation-là, on les connaît... Moi, j'aime bien, mais encore, j'aime bien ça. J'aime bien jouer à un jeu et me dire, ah, ah, est-ce que je vais réussir à trouver le twist scénaristique. On peut y aller, mais à mon avis, il va falloir vite revenir. On va attendre de voir combien on se prend en coup. Ah non, ça va. Ah non, ça va. Ah, bah alors on peut faire ça. Alors là-bas, est-ce qu'on a quelque chose? C'est quoi cet endroit bizarre? D'accord. Il tire par en haut. D'accord. D'accord. On va aller voir, hein. On sait jamais. Alors, je coupe les fleurs, mais pas le... Je tue pas le chaton. Ah, putain. On va devoir vous calmer, là, mon petit bâtard. Tiens. T'as ta gueule. Armes à 10, je me souviens. Et de la magie déjà. Putain. Ah oui, il est là le passage là. Tiens. Hop. Ça, c'est fait. J'avais pas vu qu'il y avait les petites herbes pour pouvoir passer. Tac. Non, c'est pas autorisé. Sauf si je le demande. C'est pas grave. Mais ouais, c'est juste que en fait je visite un peu. Parce que de toute façon je vais bientôt arrêter le live là. Besoin de quelque chose. En même temps, ça me fait du level up. Alors, on va voir ce qu'il a à vendre. Ça, on va racheter un. Ah, ils sont moins chers là. Ça, on a déjà. Une noix magique, 1000. ご用は? またお越しください。
Ouais, donc je te dis, c'est pas très grave, hein, ça fait du level up. Parce que là, il est 17h11. Je vais aller au sport. Et ensuite, manger. Et ensuite, préparer le live. Voilà, niveau 6, très bien. Et ensuite, préparer le live pour ce soir à 21h30. Donc, je sais pas encore ce qu'on va faire. J'aurais envie de faire, peut-être faire du fan art. Si vous avez une licence qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Ah ah! Fait du WoW. Alors, je connais pas du tout le l'univers de WoW. Donc, ça va être difficile pour moi de faire du fan art de WoW. Hop, un petit squelette. Yay! Hey, bien joué, tu tombes bien. Allez, suis-moi, on y va. Hein? Où ça? Au château de la sorcière, bien sûr, pour sauver Durek. Mais pourquoi moi? Tu préfères laisser un frêle jeune fille sans défense si elle est seule? Bon, alors c'est décidé, non. On ne traîne pas. En route. Je m'appelle Randy. Drôle de nom. Moi, c'est... Prime. Très bien. Prime se joint à vous. Ok. Ah merde. Ok, elle fait rien. C'est normal. Comment je fais? Changer de ta... Non. Changer de personnage. Attaquer la même cible. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, j'allais dire, elle fait pas de points de dégâts, mais ici elle en fait. D'accord. Ok, prime niveau 2. Bah, je sais pas alors. Oh. Qui ralousse. Faudra un outil solide pour abattre ça. On en brûle de Gaïa. Peut-être l'arme qu'ils vous font. Allons le voir, d'accord. C'est juste qu'elle court dans les champignons. Bah, elle est blonde en même temps. Sexisme. Sexisme. Vas-y, arrête de la taper, toi. Arrête de la taper, connard. Qui elle a dit? Hop. Alors, allez, go. Ah non, elle est en squelette. Elle est déjà morte, la bitch. Ouh là là, je vais me faire défoncer. Ah bah voilà. Hélas, l'histoire de ce courageux jeune gens devrait s'achever là. Ah putain! Attends, mais j'avais... Ouf, si, si. J'avais enregistré... Ah oui, j'avais enregistré au Miams. Ah, oh, je râle pas. Bon, heureusement, j'ai enregistré. Heureusement.
Premièrement, GGGG. Bon, allez. Et salut Ashraxzi, bienvenue à toi. Welcome to you. Bon, donc moi je vous dis à tout à l'heure. Ce soir, 21h30 pour le live créage. J'espère de tous vous revoir à ce moment-là. N'hésitez pas à follow la chaîne de façon à être averti pour mes prochains lives. Notamment l'épisode numéro 2 de ce Let's Play Secret of Mana. Bah, que je trouve pour le moment franchement plutôt agréable avec son niveau de difficulté comme je m'en souviens. Ça n'a pas tellement changé. On verra un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. En tout cas, bonne fin d'après-midi à vous. C'est l'heure du goûter. Amusez-vous bien et à très vite. Ciao.